Les amis jardiniers, aujourd'hui nous allons planter des melons charentais et des pastèques sugar baby. Donc le principe, moi je prends deux graines, en général par poquet. À plat, et un petit peu appuyé. Je les plante assez tardivement, car on ne peut pas les planter dans notre région avant le 15 mai, en pleine terre. Donc d'ici là, ils ont largement grandi. Voilà, deux graines pour être sûr que ça fasse bien à plat. Ils trouveront toujours la direction pour pousser. Après, maintenant, je la recouvre avec un peu de terreau. En appuyant légèrement, et après on fera un petit arrosage. C'est du terreau car dans le commerce ils abusent, c'est beaucoup trop cher. Celui-là il était fait depuis pratiquement 9 mois. Les graines, vous voyez, sont un poil plus grosses. Ça peut faire des fruits jusqu'à 4 à 5 kg. Ça se met vraiment en plein soleil. Faut pas trop leur mettre d'eau, car ça casse le sucre. Ça sert à rien qu'ils soient gavés. C'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs. Voilà. Vu que j'avais trop de bruit. Même principe. Un petit peu de terreau sur les graines. En tassant, tapotant un peu, tassé. Ça suffit largement. Largement. Nous allons passer au petit arrosage. Donc je mets un peu d'eau au fond de la coupole. Voilà, ça va prendre par capillarité un peu d'humidité et légèrement par-dessus. Et après, nous allons mettre ça dans une ancienne véranda où il fait quand même pas mal chaud, car il faut beaucoup de température pour les faire germer. Voilà. Voilà, ils sont en place, pas très loin de la maison. S'il fait une fois trop froid la nuit, je pourrais les rentrer. Bon, si cette vidéo vous a plu, envoyez quelques j'aime. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Et envoyez-moi des commentaires, je vous répondrai. Merci les amis jardiniers.